Assalamu alaikum. On est venu ici à Mpitanak pour partager les dons. À Madagascar, c'est plus d'un million de personnes qui sont en danger. Plus d'un million de personnes souffrent de la famine. Des centaines d'enfants meurent chaque semaine. C'est pour cela que nous avons décidé d'agir tous ensemble. Ainsi, c'est grâce à votre soutien que l'association Kepchi, avec laquelle travaille Jana TV depuis maintenant plusieurs années, a pu récolter plus de 120 000 euros de dons pour de la nourriture et de l'eau potable. C'est grâce à Allah, puis à vous, que nos équipes sur place ont pu faire le tour des villages afin de distribuer vos colis. Et c'est dans un de ces villages qu'un événement exceptionnel s'est produit. Plus de 40 personnes, femmes, hommes et enfants, témoins de votre mobilisation et de la générosité de notre noble communauté, ont décidé de se convertir à l'islam. Grâce à vos dons à des milliers de kilomètres de chez vous, Allah a guidé ses créatures. N'est-ce pas là un rappel pour nous tous? Ne doutez jamais des conséquences de vos bonnes actions. Chacune de vos donations compte, aussi minime soit-elle. Nous ne pouvons rien faire sans vous. Ils ont besoin de nous, alors soyez de ceux qui font la différence. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et vous avez été plusieurs milliers à participer à cette campagne. Alors, du fond du cœur, de la part de Jana TV et de toute son équipe, merci. Bismillahir Rahmanir Rahim ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan naasa yadkhuluna fi deenillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba.